Certes. Certes, j'entends bien. Alors, est-ce qu'on irait pas voir là, pour l'instant? Voir le coffre mystérieux. Ta phrase aurait pu être sale si c'était un vrai monteur, aurait pu être bien, tu vois. Tu changes un petit peu hein, l'emplacement de certains mots. Ah bon? You can pretend none of this ever happened. Tu rigoles ou quoi? Il y a 2 jours, il y avait des chaussures de boxe. Ah, ça, par contre, ça pourrait être cool. Il y a 2 plans, il y avait des lépreux ici. Enfin, des pesteux. Du pestou. C'est pas peaceful. Laisse-moi faire mes chaussures de boxe, parce que ça, c'est OP. Nécessite pas de travail, améliorer ingrédients manquants. Imperméable, déchiré, penderie, vitrine, commode, hurleuse. Ouais, pas terrible. Il faudrait que je tue une vieille. Il faudrait que je tue une vieille qui hurle là tout le temps. Saloperie de vieillasse, en plus on les aime pas. On les aime pas, elles méritent de crever. Il y a un truc sous ma souris. Et je t'entends faire cric cric cric. C'est pas ouf. Vous en foutez, mais je vous le dis, parce que voilà, c'est des problèmes de streamer. Les gens se rendent pas compte. Les streamers, c'est aussi avoir des problèmes de grains de sable sous ta souris, ce genre de truc. C'est pas le rêve non plus. Hein. Alors, je suis sorti. Bien sûr, ça charge. Vas-y, charge toute la map là. Ah! Merci. Bon, ici, il y aura pas de hurleuse. On va faire le coffre mystérieux. On sait ce qu'il y a dans le coffre mystérieux, il y avait du miel l'autre fois. Là, il y aura plus rien en fait, je suis con. Je voulais voir, mais il y aura plus rien parce que. Parce qu'il fallait attendre 2-3 jours. Ce n'était pas mes doigts. Non, non. Oh non. C'était une graine démoniaque. Tiens. Ah merde, j'ai déjà fouillé. Je l'ai clafouillé. Nous le peu heureux. Hello, tout le monde me déteste. Faut que je parle à lui, sauf que là je peux pas en fait. Hein. C'est ça qui est marrant. Alors, qui c'est que je défonce là? Ouais, vous êtes trop nombreux à chaque fois. Moi je veux bien me battre, mais là vous êtes 50. C'est un peu facile hein. 50 sur 1. Regarde en plus ce que je me permets de faire en votre absence. C'est là que je vous ai bien. Mind Games. Star. Mais lui c'est une course non? Il était dans l'early access je crois. Pauvre Pichoun qui pleure. Mais d'accord, tu me vois pas là, c'est bon. J'ai faim apparemment, il faut faire remonter mon taux de sugar. Ça, ça va pas le faire. Je sens qu'ils vont le tuer, tu vois. Là, je suis habillé en bonne en plus, il faut que je me mette en. Ça change à rien, de toute façon, il m'aime pas dans tous les cas. Dans tous les cas, il m'aime pas. Je vais prendre la pelle, tiens, pour cette fois. Pour utiliser la batte de criquet qui est presque dead. Le bruit. Il y a tellement de portée avec la pelle. C'est une vraie bonne nouvelle pour notre pouvoir d'achat, ça. Oh là là, puis ça one shot aussi, t'en fais pas. You never liked me, did you? Les haches. Eric. What's got into you, laddie? I used to be the fastest. Salut, genre on aide les gens avec Olite. Then I wanted to be even faster. I got a recipe for it. Don't ask me from whom. Then they took it from me. And you know what? I can't run even like I used to. It was a crutch. I can see how it'd be hard to run with a crutch. It's not funny. It's not funny at all. Will you run for a bit with me? Till I get the hang of it? At least I can outrun you. I mean, look at you. You're not going anywhere fast. And I'll get my confidence back. Thanks for the flattery, laddie. No, no, no. You box your wings. Ah non, là moi je dis non. Ah les abeilles. Il aurait dû faire un film avec les abeilles et les guêpes, Hitchcock. Ça aurait été beaucoup plus perturbant. Tu vois. On y aurait cru. Ah mais attends, mais il est parti en courant là. Courir à nouveau avec Eric, mais il est fast as fuck non? Ouais, il est très rapide. Bon, on a couru 3 mètres avec lui, mais moi je suis en train de me faire envahir. Bonjour, c'est la Pologne. Petit stream aujourd'hui. Où est-ce que je peux me poser là? Il y a aucun endroit pour se cacher. Il y a part l'abri. Allez hop, dans l'abri. C'est Matt Movie. Il s'appelle Rouler une pelle. Il me faut un badumtch. Tu vois? Pour ce genre de blague que vous faites. Un majordome.
c'est ça, Jage. Surtout ça, le point important. Next time you see those lads, why don't you just run away? Run away? Yes, I could have done that. I should have done that, shouldn't I? Instead of hiding. Ah bah c'est clair que le plus utile, moi, ce serait quelqu'un qui gère les emails, les VOD, ce genre de trucs. Ça me serait plus de temps de faire des vidéos et tout. Take this map. You deserve it. Un monteur, je voudrais pas. Mais... après, je vois pas ce que je fais. Trouver un moyen d'entrer dans le club. Bah, c'est bon, là, il m'a donné quoi, lui, déjà? Qu'est-ce qu'il m'a donné en récompense? Parce que moi, j'étais en train de parler, là. En gros, je t'écoutais pas, mon petit. Tu m'as donné 5 briques. Mais littéralement des briques, pas de l'argent. Tristesse. Bon, j'ai fini sa quête, moi, c'est tout ce que je vois. Jambe folle. Bon, écoute, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il m'a donné 9 points. Qui me permettront d'arriver à quelque chose d'assez incroyable. En la présence de ceci. Et ça, par contre, j'aurais pas assez. Il me faut 10. Je sais pas ce que je voulais faire sinon quand on arrête le stream, donc je vais faire n'importe quoi. De toute façon, on s'en sort bien là. Commerçant, je suis pas allé une seule fois y voir. Ça, je t'en fous de ça. En fait, ça devient intéressant à partir d'ici cet arbre là, formidable. Ça me coûte déjà 5 plus 8 avant d'arriver à un truc qui coûte 12. Et le truc ultime, c'est ça, ça vaut 15. C'est trop de points. Trop de points. Trop. Ça veut dire, oh, ça va? Un impresario. Oui, j'ai besoin de garde du corps aussi, comme Mark Zuckerberg. 11 millions de dollars pour des gardes du corps, s'il vous plaît. Je me sens menacé en tant que streamer, influent. Bon, y'a rien à faire, là. Écoute, on va trouver un moyen d'entrer dans le club. À mon avis, le moyen d'entrer dans le club, c'est d'avoir une carte ou je sais pas quoi, des réformistes, là, non? On va voir. Faut que je mange aussi. Hello, Caluz. Tranquille? Oh yo, c'était quoi ça, ce chargement là, j'avais vu. Thanks to the gods, through pathways rough and muddy. Ça avait l'air cool, ce chargement. A certain sign that making roads is not this people's study. J'entends ce que tu dis, mais je n'écoute pas. Regarde, cette hache de merde là, je veux plus l'avoir sur moi. Ça, j'avais plus besoin d'un canon abeille là. Ça pourrait être cool pour... peut contenir 12 essaims quand même, hein, c'est pas mal. Pour choper du miel de temps en temps, mais... oui, l'atelier, ici. Tube de métal, c'est avec quoi qu'on le fait? Morceau de métal, ça a du sens jusque là. C'est pas dans le truc de Sally que je cherchais toujours des tubes de métal. Mais sauf qu'elle, elle savait pas servir de l'établi, donc on risquait pas d'en faire. Je sais pas ce que j'en fais de ça. Hein. Si je le craft, tu veux dire. À quoi ça me sert? Fais-le, hein. Je pense qu'à un point du jeu, ça nous servir. On va genre faire péter un mur ou je sais pas quoi, il faudra ça. Grog Dolly, par contre, c'est pratique. Allez, fais-le. Allez. Fais-le. La prochaine fois qu'on prend de la joy, ça empêchera de vomir un petit peu. Ce que je voulais, de toute façon, c'était surtout ça. Chaussures de boxe. Mais il me faut encore une fois taper une vieille. You're awfully good at this. Y a un autre truc que je voulais faire. C'est où? C'est là. Seringue de glucose. Sucronase. Je sais pas ce qu'il faut pour la sucronase, mais j'ai ce qu'il faut pour le glucose. Bizarrement, c'est plus facile à faire. Oula, t'as fait beaucoup. Now tinkering, that's a thing I know. That's a thing I know. Il a raison en plus. Écoutez-le. Off to bed, then. Je vais mettre ton garde du corps, à ce prix j'en prendrai soin de ton corps. J'ai fini la trilogie du parrain qui est l'une des deux seules trilogies avec le Seigneur des Anneaux dont les trois films ont été nominés à l'Oscar, un meilleur film. Tadam, salut Alumes. On se met pour des gardes du corps, il a engagé Benalla. Je sais pas ce qu'il a engagé mais... tu regardes les... yo. Apparemment les autres PDG, leur budget est ridicule à côté de ça, mais après c'est pas pareil parce que lui il est dans un truc, un réseau social et tout, les gens le détestent, Mark Zuckerberg. Alors que les autres PDG quand même un peu moins. Mais je voulais leur parler parce que j'étais... il me manquait du... j'étais pas bien, du coup je voulais leur parler pour qu'ils les insultent, mais je me suis fait aggro direct. Aggro! C'est évident, je peux pas rentrer ici. Ok, les gars. Right.
Regarde, non, regarde, une petite astuce de grand-mère là. Je suis bien content de la réutiliser. Ouais. Ok, j'ai pas fini. C'est bizarre. Ça me fait rien du tout. Quelle est cette merde? Et mange. Tu as faim là? Si, t'as faim. Attends, je le sens que t'as faim. Ouais, ouais, t'as bientôt faim. Alors écoute, mange un petit ragoût de mémé. Avec des morceaux, mon gars. Bam! Tout de suite, ça calme. Ouais, t'auras soif dans. T'auras faim en 34 minutes, mais soif dans 1 minute 50. Ça, c'est très pratique dans un jeu d'avoir directement le temps que tu dois attendre avant de manger. Ok, des gueules à casser, c'est gratos. Ah, bonjour. Il y a un policier ici. Il y avait une vieille là-bas que j'aimerais bien botter hors de nos frontières. Deux secondes. Bloody well here, you know. Lovely day for it. Are you new around here? Or did I just forget? Eh bien, on a deux. It happens, you know. Mais pourquoi? Là, je comprends pas pourquoi j'ai aggro tout le monde par contre. D'un coup, j'ai rien fait. Et d'un coup, tout le monde a été aggro. Alors je sais que les gens ne l'aiment pas, mais quand même, putain, là j'ai rien fait du tout. Mais il y avait pas un Willy's à chapeau rouge là justement? Bah non, c'est les gardes qui a pété un cap sur moi. Bizarre ça. C'est chelou. Alors c'est compliqué. Ouais, puis les infos c'est toxique aussi quoi surtout. Faut faire limite regarder des news rapidement sur Google Actualité ou quoi. Ça tu vois tous les points de vue direct. The Uncle Jack fan club. I suppose they can't remember what he did during the war. What did he do? Voice of the occupation authority on the radio, wasn't he? Je meurs. Say goodnight. Ouais, tu as une nade. Du coup, on peut. Du coup. J'en ai marre. C'est trop chiant de jouer avec ce personnage en vrai. Tu peux pas juste. Putain. Rends-moi ça quoi! Comment tu es censé faire là? C'est impossible! Tu peux pas sortir. C'est la fin là. C'est la fin! Da, 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 da. C'est affreux de pas savoir pourquoi ils m'ont aggro quoi. J'avais tout fait pour pas être aggro, j'étais bien dans le glucose, j'étais tout machin, ils n'insultaient personne. Pourtant les gens me détestaient bordel. Un peu de PV là. La partie. Something wrong with your knees? That's the last time you do that around here. Là, c'est parce que j'étais accroupi, mais de toute façon, j'étais dans une zone interdite, donc dans tous les cas, il m'aurait aggro. J'étais pas accroupi, je veux dire. Ça va, le jeu se passe bien. C'est pas le personnage le plus fun à jouer, mais la narration avec son dans cet acte est vraiment cool. L'histoire est sympa, t'apprends plein de trucs. Par exemple, Oncle Jack, on vient d'apprendre que c'était la voix de l'occupation, c'est quand même pas ouf. C'est bon. Pourquoi il y en a toujours un qui tryhard? Arrêtez-le quoi, bonjour. Putain, mais il revient quoi. Oh, casse-toi hein.
Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi me détester finalement? Yo. He's coming! Oh, stop being so bad. Merde, j'aurais bien fouillé pour voir s'il y avait des trucs. Mon chat est de toute façon qui allait me dénoncer, donc j'aurais bien été prêt. Ok, je vois. Là, on va finir avec 15 000 personnes qui nous traquent. C'est de jouer en équipe. Il y a quelqu'un qui te pousse, c'est ça? Par contre, j'adore faucher tout le monde avec un coup. C'est magnifique. Purée, il peut faire ça lui, sérieux? Oh, mais c'est insane! Arrête de faire ça, quoi! Putain, le spammer! Incroyable, quoi! Tu peux pas, hein! Je voulais juste tester si tu peux combattre les gens, mais c'est impossible. Je comprends pas l'intérêt de ce personnage dans son gameplay, sérieux. C'est toi! Fuck, il me faudrait de l'imperméable là. Alors ça c'est pas bon. La télé dans le mur là aussi. C'est pas un bon bail de sortir en général. Je peux plus rentrer après. Ouais, ils me suivent tous hein. J'aurais bien combattu mais ils me suivent tous, lol. Toute la planète en fait. Tu vois? Ok, c'est impossible. Au revoir. Ça va de s'énerver, autant fuir juste. On l'a fait pendant tout le jeu, donc pourquoi pas continuer. Mais c'était moins chiant de fuir avec notre personnage parce qu'il savait courir quoi. Lui, il court pas en fait. Hein. Alors c'est là mais j'aimerais bien me cacher dans les plantes mais ils vont me voir. Tu vois quoi, ils nous voient toujours quand on est là. Je suppose qu'ils ne se rappellent pas ce qu'il a fait pendant la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu me vois pas toi. Je prétends que je te vois pas léviter, demi-dieu. Ouais, il y a moins de kits secondaires avec Oli quand même. C'est vrai. Merci mon dieu, ils m'ont pas trouvé quoi. Non, non, t'inquiète pas. Hein. Ok. Atteindre le grenier. Ok, je pensais moi qu'il faudrait une manière spéciale de rentrer ici, mais en fait non. Moi je prends tout, alors là, pas me dire deux fois. Je sais pas si on est déjà venu ici. Oncle Jack, bordel, en conquistador là, incroyable. However much we might wish to cling to it. Yes, yes, you've been torturing us all afternoon. What is it? What is it? Tell us! Tell us! I have discovered that Uncle Jack's hat is not red. It is blue. What? No! I conducted a careful analysis on my TV screen. And I suppose television sets have color now. Though we see Uncle Jack in black and white, his hat is undoubtedly the same color as his eyes. And since he obviously cannot have red eyes... Oh, we haven't known his hat was red ever since episode 209, Irish potato recipes. Uncle Jack tips his hat and winks and says, I especially like redheads. He's as much as telling us his hat is red. Maybe he's a ginger. Have you thought of that? No, because in episode 465, he taps his head and says, this old noggin is good as gold. Any intelligent person could deduce... I would not expect you to take it on faith. I also researched the haberdashery history of Wellington Wells.
and our jaunty red hats weren't manufactured until 1956. We all know that Uncle Jack's show started in 1952. You're betraying your ignorance. It was Christmas 1951, the Christmas special. Oh, that again. The Christmas special isn't canon. We only heard his voice. You couldn't be sure it was him. In either case, Uncle Jack could not c'est nappe, hein. C'est genre vraiment autant, en plus. Because red hats weren't not yet being manufactured. In fact, in episode 647, A Tale of Two Rats, he alludes to his hat being a beaver pelt. So it must have come from America before the late thing we don't talk about. Excuse me, but I saw Uncle Jack once outside the broadcast tower. He told us nothing of this. A girl has a right to her secrets. What color was his hat? Oh, he wasn't wearing a hat. Red! Red! Obviously red! You see? Red! Red! Obviously red! All the way red! Blue! No! It's blue! Don't you see? It has to be blue! Was bad. Any fool can see it's red! Eh bien. Comme ça fait du bruit ça. Ils ont pas entendu? Good. Yo. Bon, elle fait mal d'interrompre ce moment. Ok, désolé, je jouais pas. Ce grand moment de cinéma. Encore Uncle Jack, mais avec un. Incroyable les tableaux qu'ils ont ici de lui. J'ai envie de tous les regarder quoi. Putain, elle m'a vu, je sais pas comment elle. J'ai pas fait gaffe 3 secondes. J'apprécie oncle. Regarde cette putain de photo quoi. Incroyable. Mais si, si tu veux m'en tirer. Rien. Rien de spécial, je vais t'avouer. Ça serait drôle qu'il soit sur ce tableau, mais en tout petit quelque part. Conversation normale en Angleterre. Bah, c'est très important le style. Du chapeau au melon. C'est une religion, c'est. Chez eux. Il y a un mec juste là. Off, GG à toi. Off. Ok. Je sais pas ce qu'il fait de sa vie lui, mais. Il n'y a pas de porte ici. C'est quoi cette pièce sans porte? Non, mais s'il te plaît. Why? Apportez votre propre déjeuner, mon histoire préférée de l'oncle Jack. Mercredi prochain, qu'offrir à oncle Jack pour Noël? Réunion extraordinaire mardi à 20h, comment repérer Olivier Starkey déguisé? Regarde, hop. Faut que je fasse une collection. Oh. Souvenir. Souvenir spotted. Qu'est-ce que ça raconte? Ce café Jack. Oh, intéressant ça. And now it's time for famous Britons. How on earth did he get to be Uncle Jack? Everybody likes him. Except you. Have they forgotten what he did? People are forgetting a lot of things now. Oh, I suppose they don't even know what he did to you. But how did they forget who it was on the German radio every night during the occupation? They locked him up after the victory. People don't talk about the past anymore. When did they let him out? You've forgotten things too, you know. Ouais. On l'a déjà entendu le dire tout à l'heure. I should have brought a sweater. C'est quand même une grosse révélation. Merci de le répéter. Notre... Tant aimé oncle Jack n'est qu'une fraude. It's the road Jack. Putain mais je veux ce tableau là dans mes screenshots. Hello. Ah mais t'es toute seule toi? Ah non voilà. Regarde magnifique. Ça fait chier à faire ça quoi, j'en reviens pas. En plus ils l'ont trop bien fait. Patience, Ollie. Oui 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 oui. Salut Nearly. Awfully chilly for October. Alors lui il est chill, Cédric. Merci Cédric d'exister. Ouais il m'a vu. Regarde hop. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout il me semble. Je déverrouille si je veux sortir par la fenêtre. Je suis le roi du pétrole. Si. C'est 14. Calmez-vous. Règlement de la société jacobéenne. Tu vois? Je jure sur l'honneur d'être un fan fidèle de l'oncle Jack, de regarder son émission tous les jours et de prendre toujours prendre ma joy. Questionnaire pour les membres. Connaissez-vous bien Jack? Quel nom
de mission de cuisine de l'oncle Jack. Que faisait l'oncle Jack pendant la guerre? De quelle couleur est le chapeau de l'oncle Jack? Citer une histoire du soir de l'oncle Jack qui se passe à Wilton Wells. Putain, mais c'est eux en fait. Eux, c'est les mecs qui nous repèrent forcément quand ils nous voient dans la rue. Ce tableau. Ils nous repèrent direct. En fait, c'est des fans de Jack. Good kick. I bet it's all up there. They don't need a cook. They need a maid. Where's the bloody parade balloon? Quand déjà on l'a non? Oh, j'allais dire, je vais devoir réfréner mon envie de jouer du piano, mais en fait, je vais pas le faire. You could hide the Tsar and all his relations up here, and no one's the wiser. Oui. Sauf qu'il y a Jack dans la boîte. Jack in the box, putain. Ballon de parade du 1er mai, incroyable. Volé. Time to get the float out of here. Ollie! I said float. What did you think I said? We didn't come here for the float. We came here to get into the Motoline tunnels. Je m'attendais à avoir une animation et tout comme quoi je sors le ballon, mais en fait non, je ramasse la caisse entière et je la mets dans ma poche. Je garantis pas de sortir aussi pacifiquement. Ah bah comme ça, regarde en fait si. Attends, trouver le passage secret. Genre là-bas là, à 7 mètres en bas. Yo. Alors attends, c'est encore lui là qui se ramène. Non, j'ai pas gagné de points depuis. Marc, je vois pas pourquoi je les massacre pas tout. Ah, bah d'accord, je suis obligé là. Je voulais mettre. Putain, je voulais mettre. J'ai trop de stuff! Bombe de rage. Vous êtes censé vous battre entre vous là. Ok, mais cette bombe de rage ne fonctionne absolument jamais. Ils se battent là? Non, ok, d'aller, ça en branle. Eh oh! C'est bien ça. Eh ben! Les autres là-haut ils s'en foutent. Non, il faut arrêter ça par contre. Merci. 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 Putain, lui c'est un génie par contre, il m'a pré-shot. Alors, deux secondes. J'ai pas de soin en plus. Deux secondes, hein. Je peux pas craft dans le combat en plus. Je vais mettre le casque de Bobby pour un peu d'armure et je vais reprendre la batte de cliquet. C'est eux qui m'ont vu. Ils voulaient m'attaquer. Ah, ils se battent entre eux, c'est bon. La bombe de rage fait effet quand même. Magnifique. Je vais me gêner. Ah, le framerate dans cette maison par contre me rend dingue, mais bon. C'est pas grave. Ça m'énerve que ce soit la loterie ce jeu comme ça. Tu sais jamais s'il va tourner, s'il va tuer ton PC quoi. Ça me semble compromis pour notre survie. Bon, bah, faut crever là aussi. Putain. Ah, ça lui a pété son arme. C'est magnifique. Vous avez du soin? Non. Hein. Go forth and sin no more. Feel the joy. J'entends bien que je suis en train de crever. Je le vois, je le vois. Ah, je peux me faire un baume de soin, ça c'est magnifique. Un seul, hein, par contre. Ouh! Le baume médicamenteux de la victoire. Magnifique. Moins de midlife quand même. Hein. Si je fais F5, ça sauve automatiquement, rapidement. F6. Ah, F6, ça sauve rapidement, je crois. Celui-là est magnifique aussi. Hein. Le tableau, on l'aime. Allez hop.
On le garde. Il reste des gens ici, non? Oh, bonjour. When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. You want me to go up the chimney? Like Santa Claus after he's eaten up all the biscuits? Didn't you read the plans? There's a secret passage and a hatch. It's chilly. Eh ben allez. Alors là par contre j'avais vu voilà, la petite note là. Lanvo a-t-il vu l'oncle Jack récemment en ville? J'entends pas à la télévision. Ses missions sont toujours aussi géniales mais il ne fréquente plus ses adresses habituelles. J'ose espérer qu'il n'a pas perdu l'appétit. Si vous le voyez, rassurez-vous en nous le faisant savoir. Il faudrait savoir quand je le buterai ce collabo. Collabo-kun. Je suis toujours habillé en boniche, hein. Ça c'est incroyable. Je vais mettre ma veste de militaire quand même. De toute façon, dans la rue il m'aggro dans tous les cas. Quoi que je porte. C'est quoi ce bruit? Un truc qui est tombé dans ma chambre, je sais pas ce que c'est, ça me fait peur. Je vis dans la crainte totale. C'est pas grave. Il faut parfois affronter ses démons et ne pas avoir peur. On verra si je meurs d'ici la fin du stream. Le fendoir fervent. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. J'ai droppé une arme, je crois. Clé à tuyau. Pas mieux? Ça se stège, hein, de toute façon, c'est naze. Broly aussi, je m'en fous un peu. J'ai encore de la place donc c'est pas grave. Sinon je fais mon petit fendoir fervent, hein, tu me diras. Il faut que dalle pour le faire donc bon. Dans le faire. Hein. Ce sera jamais aussi bien que la batte de criquet mais bon. Alors extincteur. Ils ont un extincteur ici? Déjà c'est pas dans la pièce de la cheminée s'il y en a un. Oh ah oui d'accord. Okay. Elle me l'indiquait. Hein. Bonjour, il est ici lol. Magnifique. Et là... Oh là là mais... alors ça c'est une cheminée ratée hein, selon mon avis parce que... on crève tous. On s'en fume avec ça. Je savais qu'il y avait un hatch ici. J'espère qu'il va vraiment aller au tunnel pour Apple Home. On va voir. Attends, je peux peut-être ouvrir là. Non. Nope. Ni, ni, ni. Allez, le seul avantage d'être à l'intérieur, enfin c'est pas le seul, mais je veux dire, on a un bon framerate à l'intérieur. En général. We haven't been in the parade in a while, have we, Margaret? I hope the executive committee listens. I hope they're willing to tell people the truth. Don't forget to get some hydrogen for your float. In case it doesn't go well in the broadcast tower. I hope you're wrong, Margaret. Margaret. Ah putain. Ah, on arrive dans cet abri là. No one seems to live here anymore. On a fait un défilé de mode. On a fait un défilé de mode ici, tout se recoupe. Donc là on est dans la meilleure partie de la ville, la parade, il me semble. The parade, you know? Ah, mais je me ferais bien un costume moi bordel. Pour se fondre dans les zones de construction au bâtiment. Donc il va me falloir ça. Un costume rembourré. Je peux déjà pas faire lol parce que le tissu j'en ai jamais. Now tinkering, that's a thing I know. Ouais, soi-disant. Hein. Voilà. Du bien, ça fait de la place. Qu'est-ce qu'il y a ici dans l'inventaire? Une pile, que dalle. What happened here? You better stay away from him. He's about to go. What? Eh ben, ça va? Leave questions here. Ma peur, putain. Crève! Vite-toi de ton sang! Je vais prendre la peste! Ok. Sorry, I had to see that. Scotch. Paume. Pilule de joie. Ah, le flash est vraiment bien avec lui. Permet de courir plus vite là. C'est pas du luxe.
Par contre... Oh non, putain. Elle a bugué la porte derrière moi, c'est ça? Je suis enfermé comme une grosse merde. Hein. Voilà. Putain, je voulais sauvegarder, mais juste après avoir fait ça. Hein. C'est quand même un délice, là. Hein. C'est... Je crois que tous les bugs qui pouvaient nous arriver dans ce jeu nous sont arrivés, finalement. Hein. C'est infernal, putain. Comment je fais? Voilà comment je fais. Ah, je vais revenir au menu pour charger. Ou alors je sauvegarde par-dessus un truc. Et je charge cette partie-là. N'empêche, on a eu plusieurs bugs qui cassent le jeu. Hein. Et ça, c'est ouf, par contre. Je fais ça. Dire des bugs, moi ça me fait rire, mais quand ça casse le jeu, quand tu peux plus progresser, que ça te nique ton expérience, c'est quand même pas ouf parce que. Parce que voilà, tu peux pas jouer quoi. C'est con. You're never dead until you're cold and dead. Où est-ce que t'es là? Ok, t'en remis là. Ça c'est donc. Fermé à vie quoi. Dans cette sauvegarde, il faut pas que j'aille là, hein, j'espère. Plus tard, t'imagines? J'ai laissé l'item de fin du jeu dans cette pièce. Oh, je l'ai vu, ça. La trousse de secours ultime, là, haut du robinet. Ça qui doit avoir de la joy dedans, mais... Ollie, look out. Ça arrête jamais, oh. Comment elle m'a vu? Ciao, la naze. Salut, Quentin, ça va bien? Rien que je sais pas si t'es dit, mais. J'avoue que le coup du lecteur de cartes qui s'ouvre pas avant que t'es reload, c'était abusé. Ouais. Look at all the pretty clothes. Oh, mais ils se sont fait massacrer. Oh, ils se sont fait. Ils se sont fait def ici. Incroyable. Oh, si je pouvais en voler une, s'il vous plaît. Une jolie tenue SVP. Rayakour aussi. Bonjour. Les autres ne sauront pas si vous détestez vous mettre du maquillage sous votre masque, mais vous aussi. Cabane. What are you doing in my playhouse? Margaret. I was it was raining. Your legs are all wet. They shot you. Your legs. You ran and they shot you. You're still drunk. Are you gonna haunt me? Do you want me to go away? No, no, please don't. I think you're sitting on Helga. Sorry, Helga. I almost finished her. She's ever so upset about her apron. She likes everything to be just so. Salut Aurélien. Could you finish her for me? Donc, en gros, elle a essayé de s'enfuir et ils l'ont tiré dans le dos, quoi. Donne-moi un compliment, j'en ai besoin. Hey, horrible son histoire à Oli, hein, sérieux. You really bring out the best in us. Oui. En vrai, les histoires sont toutes affreuses. Hein. Arthur est en tête... nice. Peut-être la... Ayant peut-être la moins terrible des histoires, mais bon, ça change rien, c'est quand même une histoire de merde. Yo. Ah, putain. La différence quand tu sors, quoi, l'FPS. Bon, alors de toute façon, là, je vais devoir courir. Hein. Qu'on soit clair, je vais prendre ma seringue de glucose. Qu'est-ce que ça dit, là? Entrez internet si vous n'êtes pas splendide. On court! Grâce au flash, qui nous fait courir très vite. Pendant pas très longtemps du tout. Mais ils se sont fait massacrer, ici. Incroyable. Ah non. Il y a quand même des bobies rouges. Ah, ils se sont fait tuer. Genre, le mec qui est juste à côté, il attaque pas, tiens. C'est que moi, quoi. Il y en a que pour moi. Moi, on me déteste. Right, I've had it with you. Another bloody document control. How much we learned from the Germans. Right. No more Mr. Nice Guy. Oui. Looks like a plague whistle did a number on this. Oui. Ah mais le monde est totalement en train de crever hein, dans son acte à lui.
Pas de toute façon. C'est quoi ça? C'est quoi? Genre, ils s'allient tous pour me tuer. Je déteste ça dans les jeux. Genre, les infectés ne se battent pas avec les gens qui ne sont pas infectés, c'est juste avec moi quoi, qui ont des problèmes. Ils vont voir là, hein. Oh, presque. Close. Si mon dieu. Oli, c'est un vétéran qui a perdu sa fille à la guerre. Qui du coup là essaye de d'ouvrir les yeux des gens sur le monde dans lequel ils vivent, que c'est de la merde. Il fait que je monte, d'accord. Ouais. Ça fume, c'est Arthur qui a tout pété. Dommage qu'il ait donné les armes à Arthur là, tu l'as pu me passer. Ok. Ah, the Department of Senseless Idiotic Research. Il aime bien cette musique qui est partout. La théière. Ça par contre on aime. If anywhere's got hydrogen, it's these bamboos. If not, I'm off to the executive committee to fill a bag with hot fucking air. C'est par là. Alors, je suis obligé de passer par la gauche ou alors sauter ici. Parce qu'il y a par la gauche. Je crois pas qu'on va s'embarrasser à passer par là. On va juste sauter ici. Il me semble. Ce serait plus sage. Oui, d'accord, pardon. Ok. D'accord, le jeu. Je mets la radio, ça devrait les distraire. Ah. Où puis-je me cacher, SVP? Merde. Petite stratégie de streamer. C'est naze. J'espère qu'il vient pas ici. C'est nul. Il y a toujours la fléchette tranquillisante. Iou. C'est plutôt safe ça. Pète-moi ça. Concours, trouver à quoi sert la machine et remporter un prix, ouais. On l'a vu cette fois. Il y a une poubelle pour se cacher, sinon ça aurait peut-être été mieux. Bon, il était pas là le réservoir d'hydrogène. Mais d'accord. Juste là. Sublime. C'est pas de bruit, tiens, ça. Et puis dans l'idiocratie. And there's my hydrogen. Now, I just need to walk out the door and... We have an intruder! I'm shutting all the doors! Ah, for fuck's sake! How do I get out now? Je suis aggro par toute la planète, je ne sais pas. Putain, mais j'ai 10 FPS, quoi! C'est insane! Ils veulent pas faire une mise à jour, ils optimisent leur jeu, sérieux? J'en peux plus, en vrai. C'est infernal, c'est de pire en pire. Ils m'auraient pas changé les paramètres graphiques encore, c'est bolos. Non, hein. C'est incroyable. Vivement que je fasse le nouveau PC, parce que là... J'avais oublié la douleur des jeux non optimisés, quand t'as pas un setup de brut. Plus de PV par contre, hein. J'ai dû tout perdre avec... je sais pas, mon glucose, un truc dans le genre.
Voilà, Stephens. 2015, le PC. The Spitfire, par contre, lui, il m'a donné l'arme. Ouais, mais elle doit être en état de merde, non? Ouais, voilà, elle est presque dead. C'est pas ouf. Donc ça. Yo. Ça va. Alors, trouver une sortie. De toute façon, il va falloir que je repasse par là, non? Je remonte. Bonjour. Je pensais que je peux faire le grand saut là. Ah, peut-être par là. Ah, il arrive pas. Hein. Où est-il parti? Nulle part. Hein. Regarde, hop. Voilà. On a réussi. Ah, par contre, il y a monsieur là. Ils annulent leur coup, ces salauds. Voilà pour toi, agent constable. Sérieux? On avait l'impression qu'il nous avait monté ici, quoi. Donc on va pas passer là-bas. On va se barrer par où du coup? Là-bas j'ai une ventilation mais non. Il y avait cette porte là-bas, mais elle doit être verrouillée maintenant j'imagine. Là-bas il n'y a pas de porte. Qu'est-ce qu'il gardait lui du coup? Tiens, le bassin là. Il a morflé. Pareil de ce côté. Ah mais putain là je crois qu'il y avait un volet. Peut-être par là alors. Par les chiottes. Nice, on aime. J'aime bien ce qu'avec Oli ils ont mis des trousses de secours de partout au cas où. La hache décisive. Tu es dans un bon état, la hache décisive, je veux bien. Mais j'ai ça là. L'argument vainqueur. La hache décisive, c'est la ouf. Blesse et cautérise en un seul geste. Inflige des lourdes. Inflige des dégâts de brûlure lourds. Ça marche avec Oli ça, non? Faire la gueule. Ouh! Ouh! Par là où je suis rentré, je crois qu'ils ont fermé, non? On va voir, je suis venu par là. Parce que là-haut, puis-je monter? Yo. Là, je peux pas monter, on est d'accord, non? Oh. C'est ouf si on pouvait se mettre dans le canon, mais je pense pas. Just need to make sure it's facing the tower and wind it up. That's a terrible idea. Écoute, tiens, bon, ça va bien. On a été gentil. Qu'est-ce qui s'est passé là? Putain, j'ai peur. Je suis banshee. Crevé. Restez calme, je suis en train de faire cramer tout le monde. Lui il fait que pousser, c'est le genre de mec. Il y a toujours un mec qui fait que pousser quand il est en combat, quoi. Trêve, en plus j'ai brisé ton arme. Attention aux tourelles là, chelou. Non. Cassez-vous les ballons. Il m'a lancé le ballon électrique. Aïe aïe aïe.
garde. Ok, là. This is the end. La 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 la. Remarque. Aïe, ça me... à travers le mur. Trousse de secours. La douche est plus glauque fait, ouais. Mais comment on était déjà venu ici? C'est vrai que je suis pas trop de remarques sur l'environnement, mais... Oui, c'est un peu glaucos. Bon, alors, il faudrait que je les fouille, parce qu'ils ont peut-être des trucs pour ma survie, là, qui seraient utiles. Pomme. Genre ça. Grenade électrique, ça c'est sweet. C'est plutôt fort. J'ai Motov bleu aussi. Je bois un coup. Faut surtout pas se planter et boire de la joy avec lui, hein. Alors, qui reste là concrètement? Je tue tout le monde, non? Il reste mon bolos là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont, ouais? Qu'est-ce qu'ils ont? Pile de joy. Il reste que toi, mec, hein? Fais gaffe, tu travailles au milieu de cadavres. Quietly now. Ah, il en reste un là-bas aussi. Tant que c'est pas des bobbies. Oui. Get in. Magnifique. Sublime phase. Aïe. Ça aurait pu être une bonne idée, tu sais. Still got all my bits. They just hurt extraordinarily much. Who needs trains and planes? We ought to have sent the mail by cannon. All right. All right. I've opened the door. Now, please, just go. Thank you kindly. I'm going to have the worst headache for the rest of the week. My God! Thief! Downer! Get out! T'es un taré ou quoi, toi? T'es un malade mental, tu veux te taper, non? Ok. Complètement ouf, celui-là. Là, je pourrais ouvrir cette porte. Y'a rien ici à loot. Arthur à tout prix. Saloperie. Il fait bien haut ton. Il est tellement haut. Qu'un sens. C'est quoi cette image là? Mon petit Newton là. Alors, je me casse par là-bas, ok. J'avais même monté pour récupérer du loot. D'ailleurs, toi, je t'avais lancé depuis le bureau quand t'as encore envie. Oula. Il y a de nouveau des gens, par contre. Dans ce monde. Merci. The broadcast tower can't be that far from here. I wonder what the executive committee's up to right now. Du coup, ce qu'on a chopé ici, c'est quand même des bonnes armes. On a deux bonnes, très bonnes armes. Ça fait plaisir. Pas besoin de les craft du coup. Mais on a toujours pas de quoi se faire des vêtements. Il faut 12 et 11 quoi. Pour avoir les armes s'usent moins vite, en plus c'est plutôt sweet. Si si, Arthur il est déjà passé là. Il est déjà passé parce que de toute façon là, c'est... on est après lui quoi. C'est sûr. Il y a plusieurs trucs qui prouvent, par exemple là le... Le bâtiment a été défoncé là. Son bureau à l'autre il était fracasse comme quand on avait utilisé le canon. Mais c'est vrai qu'il y a des pestiférés de partout. Je suis jamais caché dans. Comment ça donne? Bon, de toute façon il n'y a pas de 4 secondes derrière encore. Hein. Et le trésor. Attends un jour ou deux. Bon bah allez on continue là. Hein. On joue Oli ou Ismaël. Mais comment il me repère? C'est un bug ou quoi? Parce que là... How? Comment? Comment vous m'avez vu là? Insane. Oli, look out! He's about to start biting people. Oui. Oh god. Oui. Me donnez pas la peste. Bon, ça dit, j'ai un grog.
J'ai crafté un grog d'Oli, donc ça me permettrait de m'enlever la peste. Sacré grog, hein. Le mur était cassé, si. Et le canon était orienté vers là, en plus. Alors là, du coup... Les cartons ont été descendus. Du coup, ils ont bouché, c'est enfoiré. On pouvait pas aller en haut avec Arthur. Alors qu'on aurait bien aimé, parce que ça doit être de là qu'oncle Jack fait tout. Oh, bonjour. Big girl. Eh ben ça va, c'est pas trop majestueux votre truc. Passer outre la directrice. I don't think I want to try to get past headmistress while she's on the job. I better shut her down first. Where have they hidden her controls? Ouais. I need to get upstairs to see the executive committee. They're busy too, I should think. Why don't you ask somebody else? Les flics qui peuvent sortir à tout moment. Sorry, ma'am. I need to get upstairs. You'll have to ask someone who has time on her hands. Quoi? Ah, du coup, elle se balade. Elle est terrifiante. You are not authorized. Please clear the area immediately. Bon, alors là, je peux escalader, toute évidence. Je vais faire de ce côté, peut-être si elle... C'est le camp ici là. Putain, mais elle me suit quoi. Saleté. Ah oui, saleté. C'est bon, chill. Chill. Yo. Ah, une petite machine là, achetée. Oh oui. J'ai pas beaucoup d'argent mais... Mon royaume pour du soin. See you when I see you. Salut Myonk. Salam l'équise. Tranquille. Bonjour. Pas du tout creepy ça. Pas du piège, regarde. C'était pas elle. Il y avait un piège, je sais pas ce que c'était le piège. Mais je l'ai désactivé en tout cas. Ah, il faut peut-être faire les deux, ouais. Faire les deux. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi tu fais le tour? J'étais juste là. Katas, cette chaîne? Where do I turn on the bloody power cable? La voix. Le petit one shot là. Qui devrait vous faire du bien, vous laisser réfléchir. C'est pas comme le steampunk, non. Faut plus imaginer où il y a plus de flou comme un... Tu me fais peur. Comme un jeu où le temps s'est arrêté dans les années... Enfin, on est dans les années 60 en fait. On est dans les années 60. C'est un peu particulier parce que c'est un mélange... N'oubliez pas votre joy, faites le plan maintenant. Non, mais c'est bon. Ok. Là, je peux pas y aller. C'est un mélange un peu bizarre entre une société autoritaire et... Quelques éléments du hippisme et tout. Alors par contre, là, je vais prendre un petit souvenir. Hein. Sally Boyle. Ils sont rencontrés les deux? Ah oui, le 4K follow, ouais. Ça fait plaisir. Je sais pas si ça représente, mais. How did I get here? Did you go and see Sally Boyle? I can have. She's in the village. Or she came to you. It doesn't matter. She comes by. What? Why does she come by? Do we trade? What did you buy from her? Oh, my memory's more than usually fuzzy. Did you take something she gave you? I was sad, wasn't I? And ashamed. I can still feel it. I just don't know why. You bought something from her, didn't you? Why was I sad? What have I got to be ashamed of? Margaret, don't look at me like that. Can't help it if I don't remember. Sacré Oli. Ouais, bah bon, tu lui as acheté de la joy à la mûre, moi je sais très bien mon petit. Je sais, je l'ai joué ce personnage. Donc, la directrice peut plus me gonfler. Ouh, petite chute quand même. Ouais, ça va, oh là là, mais moi je la fais sans geindre celle-là. Bon, c'est un petit peu haut quoi. Certes.
Ah oui, là j'ai le droit d'entrer comme je veux ici. Ah non, bonjour. C'est moi le rabat-joie, ça va? Pas plus ici, vous avez de la chance vous. Ah, there we go. And up I go. Ah merde, j'avais pas vu. Eh ben attends, annulé parce que... En gros je suis à la fin du jeu quoi. Problème étant que je sais pas ce que je peux faire d'autre avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas d'autre quête de toute façon lui. Il y a juste ça là, mais ça, je pense que ça donne juste du miel quoi, gratos. On peut le faire hein, je pense, je vais sauvegarder avant. J'aime bien avoir une sauvegarde de chaque personnage. Chaque âme qui passe par chez moi est importante. Ouais, je pense que je vais faire du Grave Keeper après, parce que j'avais dit que j'en faisais toute la semaine et puis j'ai pas pu. Bon, cet après-midi, c'est ma faute pour le coup que j'ai pas pu, mais... Trop longtemps j'ai pas joué en vrai. Je pense que plus personne veut me voir jouer à Graveyard Keeper. De toute façon plus personne veut me voir jouer à quoi que ce soit, vous me détestez. Ok là c'est pour Av. Hein. Après si ça se trouve ça dure encore longtemps là, je sais pas. Il y a des criquets d'ascenseur. Mais tellement foutu là Jack. Yo. Arctique beaucoup trop sombre. What the hell happened here? Food production. Good Christ, it's all going down the crapper. You don't have to talk like that. Ouais. C'est pas ouf quand même là, ce qui se passe. En fait, après cet acte... Right. Enough of that then. Non. Ouais, du coup, j'allais dire après après ce personnage-là, c'est fini, non? Cette société, elle est cuite. Donc ils vont faire un season pass, mais on va sûrement jouer en même temps. Enfin, on va jouer des personnages dont la narration se passe en même temps que cela. Ça va se passer après, à mon avis. Tu vois les belles pites qui ont pris un taxi. N'importe quoi. Yo. Who's in charge here? You're in luck. It's me today. We rotate the dread responsibility. Do I know you? So, there's only one of you who doesn't take joy on a day? I might have had a little. The tanks in the military camp. Did you know they made a papier-mâché? Oh, that's terrible. Would you like a joy? Have you been getting out into the village lately? People are getting a bit slim. And these charts, are we running out of food? Oh, no, don't look at the charts, they're horrible. Here, let me get you another joy. We've got our own booth. They're the executive committee? So, you people are in charge of the whole shebang? That's us. Ever since the victory. What's wrong with the tanks? You know what? I've forgotten. Oh, good. Well, come back if you remember, but with any luck you won't. Be seeing you. We have to tell people. They need to make a new executive committee. Absolutely. If they won't heed the loony from the Garden District, they're sure to hearken to the dead girl in his head. They'd listen to Uncle Jack. You know what that man did. Everyone listens to him.
all day long. I can't stand his smirking face. Ollie. You're right. Merci, Nixis. You're always right. Tranquille. But it's not going to be pretty. If we go upstairs, we're going to make him tell the truth about bloody everything. Donc eux, ils... Ok. Ouais, production de bouffe. Et réserve de Joy. Putain, même la Joy va être en pénurie. Moi, je vais juste rentrer pour les fracasses, là. C'est rien. Oh, l'horreur de travailler dans un bureau comme ça, là. Affreux. Ta-da-ta-ta. Bon bah allez, on monte hein. Et on va voir Oncle Jack. J'ai dormi 20 heures en 7 jours. Et bah voilà. Cet homme fait des marathons. Des subathons. Hello. Youhou. Hello. Ouais. Here's Ollie. Mais il est déjà mort le Jack, non? Time to pay the piper, Jack. Il est tellement précieux, Jack, dans cette société, c'est ouf, hein. Il représente la société entière, en fait, hein. Mais y'a personne, donc. Là, sa petite loge, monsieur avec sa petite pomme. Sa petite armoire de toilette. Non. Je veux pas prétendre être une starlette. Du ballet. Je perds mon temps pendant que l'oncle Jack est simplement trop heureux pour venir travailler. Allez, j'ai quand même crocheté. Je sais pas si ça me sert à grand chose en vrai maintenant. À ce stade-là, je ne pensais pas. Ok. Kunictis, là on est vers la fin du jeu. On est tout proche de la fin du jeu. On est tout proche de la fin du jeu, donc si tu veux pas te spoil. Putain, mais s'il te plaît, quoi. Le jardinier, là. Eh ben. Where je vais aller au lit he? Avec lui. Good Christ! He's gone off! You can't have gone off! I've got things to tell you, Jack! Ouais. Il a fui, ça se trouve, il est mort. Il y a du ruban adhésif dans son truc. This is Jack Worthing, the voice of the occupation. And I'm here to tell you all the benefits of being pals with the invaders. Did you know that you can get extra rations if you betray your country? That's right. All the schnitzel you could possibly eat. Just ask Reg Cutty for the Deutschland über alles special. Ollie! Today, I'm going to interview our favorite Englishman, General Sir Robert Byng. No one really knows how he got to be Sir Robert since the Kings fucked off to Canada. Or how he's still a general since he surrendered. But some things just bob up to the surface no matter how many times you try to flush them. Ollie, stop it! Ah oui, le no-signal, là, je le vois. Alors, pourquoi? Ça vient de marcher. J'ai presque rien touché, ça remarche. Un peu peur de la... Un peu peur de la connectique, hein. Un peu peur de brûler. Que je fasse brûler l'immeuble avec ce setup. Comment ça paye l'addition de... Du pas cher. J'espère qu'il n'y a pas un Bobby qui va venir ici. Des os, du coup. Veuillez ne pas diffuser... Maintenant, je vais psychoter pour savoir s'il y a ça ou pas. Il y a même cassette plus d'une fois par semaine car le public pourrait se demander s'il arrivait quelque chose à Uncle Jack. Ce n'est évidemment pas le cas. Automatisé quoi. Ah. C'est infernal comme bruit ce truc là. Hein. Toute la journée. It's his last show. How'd you ken that? The camera's smashed. They couldn't have shot another. Play it.
Dernière cassette de Jack. Putain, c'est triste là. Enfin, c'est triste. Bien fait pour cette société de merde. Non, I can't leave here until everyone knows the truth. Et bah allez. Let's see what Jack has to say for himself. Pas grand chose, je pense, non? Je me spoil ou pas? Oui, un max là. C'est la fin du jeu, encore une fois. You know, there are times you can actually take a little too much joy and, well, then you can't remember where anything is, can you? Ah, yes. Here it is. Mrs. Florence Gilbert of Braum Hayes is holding an exhibition of her hand-knit dolls. She likes to make dolls from all over the world, all knitted in wool. It's his last show. How'd you ken that? The camera's smashed. They couldn't have shot another. Do you know who'd have liked that? Margaret. Je viens de le dire. Why is he talking about you? Who's Margaret? Because I love dolls. What am I talking about? Who cares about the past? Well, listen. Do drop by to see these fabulous dolls of Mrs. Florence Gilbert's. Poor thing. Poor thing? She loved dolls, you know. She had dozens of them. From all over. I can assure you that there's absolutely no truth to the silly rumor that the food is running out. How does he know about your dolls? However, it is true that there's a brand new flavor of joy. You think at 12 your daughter would be over dolls? His daughter? Yes, Ollie. But she'd make these darling little costumes. I knew it was wrong. I mean... She was even excited about going to Germany. It was me. I couldn't imagine living without her, so... So I hid her. Someone tipped them off. And she ran. No, that's not right. It was Jack what turned you in and I what tried to save you. No, Ollie. You turned me in. I'm afraid we've come to the end of our time. But you were my daughter. Jack Worthing. Margaret. I mean it. Worthing. You're Ollie Starkey. No, I couldn't have. I could never have betrayed you. You're my... Neighbor. I was your neighbor. How could I? How could I do a thing like that to a little girl? Dear God. Dear God, I'm sorry, Margaret. I never meant to hurt you. It's a bit late for an apology. What can I do? Tell me. Do you hear me? We've come to the end of our time. The food's run out. We're all going to starve to death. You have to stop taking your joy. Take it from Jack Worthing. That's me. People have to know. That Jack's your father? Stop. That Jack's gone. That the food's run out. All have to stop. That they have to stop taking the joy. Stop it. You have to broadcast the tape. Right. Right. I could do that. But you won't, will you? God. Bébé? God, I never meant to hurt you, Margaret. I'm sorry. Eh B, désolé. Hein. Oh là là, tout de suite elle fait sa gueule là. Oh, ça va. On fait des erreurs. Ça arrive. Ça arrive. Du coup, ça a l'air un peu fucked up, hein, le petit Ollie. J'ai un peu niqué sa vie, bizarrement, de balancer une petite fille. It's not going away. They've cut the power, the bastards! Putain, ils ont pas pris longtemps. There's an emergency, one of those wheelie power thingamabobs. Wheelie. Petit speedrun. Oui, bah même Jack il croyait pas trop hein, qu'il allait arrêter de prendre la joy. The bobby popper, watch out, someone's coming! Stop going away! Si je passe devant! Oh là là, ça fait pas d'ombre, mais ça c'est une erreur terrible. Ollie. Parce que tu gagnes. Ah, je crois que ça s'est arrêté.
T'en veux aussi? We're running out of power. Oui, bah oui. Well, lad, this is what we train for. Oui. Pour tabasser des flics dans un studio de télé. Someone's coming through the combat. Dommage, ça se stack pas. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Enfoiré! Il a arrêté le truc là! Watch out, someone's coming! Putain, mais c'était pas bien réparé, c'est massacré ici hein! We're running out of power! Oui, c'est un peu chaud hein, là sur la diffusion en même temps. Je perds de la vie à cause de mon glucose en plein milieu du combat, c'est magnifique. Non. The bobby popper, more of them. Il reste une minute encore. Oli. Salut. Oli. Ok. The bobby popper. Bah oui mais. Quand tu veux là. Il spam. Arrête. Bon de toute façon. Casse-toi. Ce que je vois. Tout ce que je vois c'est que j'ai à gérer l'électricité, le reste je sais pas, se faire marcher tout seul même s'il arrête. Je sais pas pourquoi je dois refaire ça alors qu'il tourne là. Je crois que je vais le garder en vie lui là-bas. Stop! Stop it! We're running out of power! Écoute, tant qu'il y en a un qui a envie, apparemment les autres spawnent pas. I'm afraid we've come to the end of our time. Oh! We've come to the end of our time! We've come to the end of our time! We've come to the end of our time! Mais il a tout pété là, c'est lui? L'autre il est plus en feu mais. We're running out of power. Ok. I guess walking out the front door is out of the question. Good thing I need to get that float. Ok. Parti hein. Je crois que là il est temps. Ils sont sortis d'ici non? Alors ils sont sortis de leur petite cabine. Ah bah c'est... C'est clair qu'on n'aurait pas compris qu'il criait sans les sous-titres. Moi je veux voir la vue là. Ok, je veux voir mon framerate aussi qui meurt. On va pas sauter hein. Oh là là. La terre de mon enfance, non c'est pas vrai. Pas un perfide anglais. Ok, donc là il y a la parade. Tu vois. Ouais. Yep, yep, yep. Est-ce qu'il y a une île où je suis pas allé? Celle-là, j'y suis pas allé en vrai. Au fond là-bas. Ah, ça paraît grand hein, quand même là. On est couru tout ça, c'est pas mal. Et après, il reste toutes ces terres aux alentours là. Genre celle-là, il y a un pont et puis après, il y a des arbres qui volent dans la nature, donc c'est pas mal. Il est toujours au top, oui! Gros travail dessus. Il a fait un putain d'ascenseur là, il est sérieux? Ah non, il a fait un ballon carrément! Tryhard! What do we do now? We say goodbye. To who? I'm not really your daughter. I know that. And I'm not really here. But I'm a lie too. We've been together so many years. You don't think having an invisible friend. It's a wee bit babyish.
for a man who's been to war. We can hide in the train station till it all blows over. Now that you've put all that on the telly, I think it's time you put away childish things. You're right. You're always right. Du coup, Jack, on l'aura pas croisé. Si ça se trouve, on va le jouer, Jack, dans le season pass. Ce serait énorme. Allez, ciao, Margaret. Ma petite Elizabeth Junior. Le Bioshock. Hey! You bastards! Look up! It's Ollie Starkey! Wake up, you damn sheep! I never liked you! Or you! That's right, you as well, pal! It's not a lovely day for it! It's a fucking terrible day for it! Lovely day for fucking war anyway! Oh, lolly. Fuck the law, you bastards! I'm going home! Ça nous est tous arrivé, ça. D'abattre une dictature en étant un alcoolo. Oh, Arthur, ça fait longtemps qu'on t'a plus vu, mon boy. You all right, sir? I'd forgotten just how heinous a person I am. Well, the truth is not for everyone, sir. You see, some people find they are stronger than they ever supposed. Some people can let go of the confabulations that have comforted them. Some make choices that surprise even themselves. Au final, Oli, c'est juste un bâtard, quoi. Je dis que c'est dramatique son histoire, mais en fait, c'est un bâtard. But perhaps these people are not you. Are you sure you don't wish to forget? And go back? Elle est noire, ta Joy. Au chocolat! Bonsoir. Ah! Oblivion ou Skyrim? Se souvenir ou oublier? Mais ce serait vraiment drôle que la piste lui tombe dessus là. Sauf Astropole! Allez, franchement, ce sera à contre-courant de tout ce qu'on a fait dans le jeu. D'oublier quoi. On a qu'à faire se souvenir hein, parce que. J'aimerais bien voir les deux, mais bon. Je demande Astropole. Si vous voulez, on décide par Astropole. Allez. Puis de toute façon, l'autre fin, on va l'avoir sur internet après, donc ça va aller vite. Attends, sinon je. Ouais. J'ai peur d'appuyer sur une. Enfin, tu sais, en créant le Astropole, je sais pas si. Comment il fonctionne le fenêtré de ce jeu. J'ai peur que ça lance un des deux choix. Je tente quand même. Oh putain, je peux pas le faire passer devant le jeu. Ah! Attends, on va mettre dans l'ordre. Se souvenir. J'aurais pas dû dire qu'on ait regardé l'autre fin ensemble. Du coup, votre vote n'aura pas trop de. Vous allez vous dire, mon vote n'a pas de valeur là. Voilà, n'hésitez pas à voter dans le chat. J'ai mis le lien du Astropole. Puis on va observer le résultat ensemble. Mais ça, je m'y attendais pas, tu vois. Se souvenir. Oula. Si je reste comme ça 12 ans, peut-être que ça fait un. Je les connais, moi, les jeux maintenant. Qui hein. Se moquent du joueur avec un temps d'attente. Tu sais, genre, tu dis, ouais, là, c'est un choix important, je vais avoir le temps de choisir. Et puis en fait, boum. T'as un timer comme dans Witcher 3 et tu te fais niquer. Ça choisit pour toi. Non, je veux pas aller sur. Télécharger Java. Putain, il est infect mon Chrome, il est défoncé. Bon, de toute façon, là, comme c'est parti, à moins qu'il y ait un retournement populaire, je pense qu'on va se souvenir. Hein. On est d'accord quand même que ça va dans le sens de tout ce qu'on a fait dans le jeu, de se souvenir.
Ouais, c'est ça, Nikis. Je préfère Stropol, tout le monde peut voter. Bon, c'est bon. C'est torché. Ce souvenir, donc. Are you really a constable? I patrol the boundaries. Déjà, come on, sir. T'es dans la tête d'Arthur, non? Once you're out there, you know what to do. Eh ben, le Holy Starkey. Succès caché. 55%. 19h, 20h, on a mis. Enfin, il y a quelques quêtes secondaires que j'ai pas fait. J'ai raté le début. Allez hop! Salut Massilis, t'arrives vers la fin du jeu. J'ai vu un 20ème, c'est pas mal. Oui, surtout que t'as vu le 20ème qui t'empêchera de voir les autres. Comme Nictis, je sais pas pourquoi t'es resté. C'est terrible. Alors, oui. Happy few ending. endings. J'ai compris ce qui se passait. Là ils disent All Endings. Enfin, je mettrai en full screen mais j'ai cherché déjà. Merci YouTube pour ces previews. Une fois l'OST trop cool. Je sais pas s'il a fait comme choix, s'il a fait le même. Enfoiré! Fais l'autre! C'est quoi ça? J'ai pas vu ça. Fuck! Ça doit être après le. Qu'est-ce que vous en avez pensé, ceux qui ont tout regardé? Ouais, le builder il va sûrement demain. Je fais ça ce matin. Ah putain, il y a un épilogue. Ça a pris. Un épilogue dans l'épilogue. Lovely day for it. Lovely day for it. Lovely day for it. Pas de soutien. I don't even know how to tell the truth anymore. Lovely day for it. Are you joking? It's been shitty all day. Did you not notice the drops of water falling out of the sky? Gonna be shitty tonight too. You're right. It has been rather a shit day. Ce sourire, putain. Oh, il est content parce qu'il a un jour de merde pour une fois dans sa vie. C'est à peu près ça qu'il disait. D'accord. Ta-da. Ouais, le sourire a été dérangeant, hein. Un petit peu.
Alors, moi, ce que je veux... C'est à 1080p, ça? C'est dégueulasse. C'est pas de la 1080p. Say goodbye. Votre choix.jpeg. Bon, alors, j'ai pas trouvé ailleurs. Ce sera en anglais. Right. Than they ever supposed. Surprise, but not you. Are you sure you don't wish to forget and go back? I was happy before, wasn't I? Un jeu est... intéressant cette pub à la fin du jeu sur Steam. Eh ben. Il va pas vivre longtemps, le Arthur, hein. Putain, j'ai trop de trucs, là. Sur ce desktop. Il va pas vivre longtemps parce qu'il y avait plus de bouffe. Bon, lui, il le sait pas, tu me diras qu'il y avait plus de bouffe. Il y a que Oli qui l'a vu. Alors, globalement, j'ai l'impression que vous avez aimé le jeu. Mais oui, vous le trouvez cher. L'histoire et l'ambiance, c'est vraiment cool. Ça aurait été un très bon jeu à 30€ et sans cette IA absolument dégueulasse qui ruine tout le jeu, à mon avis, et qui te pousse vraiment à pas utiliser les mécaniques du gameplay. Ouais. Après, le problème, c'est que ça finit par le pire perso, hein. Au niveau du gameplay. Donc ça aide pas le souvenir, mais... A plus, Tikyo. Merci de regarder. Mais je sais pas, moi 40€, j'aurais trouvé ça faire. Parce que 30€, il y a quand même beaucoup de contenu, je trouve, pour 30€. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'efforts quand même dans le jeu. 30€, c'était le prix de base, sachant qu'ils voulaient le monter un peu à la base. Bon, à la base, c'était pas censé doubler le prix. Mais... Ça m'aurait pas dérangé, moi, qu'il monte de 10 balles pour faire ça. Enfin, si, ça m'aurait dérangé, forcément. Parce que le jeu est bugué, mais... Je sais pas, il y a quand même beaucoup d'efforts dans la narration. Il y a beaucoup de soins apportés à beaucoup de choses, à l'univers et tout. Le problème, c'est juste les bases du jeu, en fait, qui étaient pourraves. Et qui niquent le gameplay, quoi. Il y a des mauvaises bases. Parce que c'était pas censé être un jeu aussi gros. Et ils auraient dû recommencer à zéro, carrément. S'ils voulaient vraiment faire le truc comme il faut. Mais ce n'était pas possible financièrement, malheureusement. Alors, je suppose que j'ai plus Graveyard. Oh, j'ai Graveyard Keeper là qui est en dernier dans les jeux lancés. Incroyable. Il est toujours là. Toujours en vie. Du coup, je